Bonjour et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo, la vidéo du vendredi, désormais la vidéo Pokémon. Alors, dernièrement, j'ai mis sur ma chaîne une vidéo de vide-grenier, des vides-greniers brocantes que j'ai pu faire lors du week-end du 8 mai. Et lors de ces petites balades dans les brocantes vide-greniers, j'ai pu trouver des cartes Pokémon. Beaucoup de cartes Pokémon qui vont bien compléter mes collections. Alors, avant de vous faire la présentation de ces cartes, je vous propose un petit résumé de ma vidéo brocante, histoire de vous remettre un petit peu les images de celle-ci en tête. On se retrouve juste après pour la présentation des cartes. Revoir dans sa globalité ma vidéo vide-grenier, le lien est juste au-dessus. Allez, maintenant je vais vous présenter toutes les cartes Pokémon que j'ai pu récupérer. Et il y en a une paire. Hein. Allez, hop, on va regarder ça de plus près en mode zoom. Il va y avoir des cartes pour les trois collections que je fais, c'est-à-dire Zénith Suprême, Origine Perdue et Tempête Argentée. Alors, je vais commencer par... je vais laisser en dernier Tempête Argentée, puisque ça va être là où j'aurai le plus de cartes. Et je vais commencer par vous présenter la carte Zénith Suprême. Il n'y en a qu'une, que j'ai réussi à récupérer et qui rentre dans ma collection. Et il s'agit d'une Reverse. Donc, Monsieur Mime. Alors, Monsieur Mime, je l'avais en carte normal, mais je ne l'avais pas en reverse. Alors, les reverse étaient si je me souviens bien, entre 50 centimes la carte reverse. Bon, après, moi je suis pas un spécialiste, mais quand on sait qu'un paquet c'est 5 euros, il y en a 10, bah, ça fait 50 centimes grosso modo la carte. C'est pour moi le prix. Voilà, c'est un prix. Après, bien sûr, je pense que c'est selon si on les trouve plus souvent ou pas. Mais une reverse, on n'en a qu'une par paquet. Donc, c'est pas toujours évident de tomber sur celle qu'on veut. Donc, bon, allez, 50 centimes, celle-là. Elle rentre dans ma collection. Donc, Zénith Suprême. Et je suis bien content. Maintenant, autour de Origine Perdue. Alors là, cette fois-ci, il y a un peu plus de cartes. J'ai réussi à m'en procurer... 6. Allez, c'est parti, je vous les présente. Un Limagma en reverse. Pareil, je vous dis, c'est les reverse que vous allez voir sont à 50 centimes. Sauf une. Le vendeur m'a fait un prix. Bon, tant mieux. Mais celle-là, donc, était à 50. Je ne l'avais pas. J'ai la carte normale, mais pas la reverse. Un Strassi. Alors forcément, toutes les cartes que je vous présente, je ne les avais pas, hein, sinon je ne les aurais pas prises. Un Anchoat. Alors les Anchoat, j'en ai déjà eu une paire, mais pas de cette collection. Il est beau celui-là. À part les yeux, un peu bizarre les yeux. Un Rocabot. Un Rocabo ou Rocabot. Un Kung Fuin. Et enfin, pour cette collection, j'ai réussi à récupérer une ville perdue. Un stade, donc dresseur, ville perdue. Cool. Ça fait 6 cartes de plus dans cette collection, donc Origine Perdue. Et enfin, c'est surtout sur Tempête Argentée que là, j'ai fait un malheur. Puisque j'ai réussi à m'en procurer
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors celle-là, elle est spéciale. Ça sera la dernière, je vous présenterai. Elle est beaucoup plus chère que les autres. Alors, en moyenne, alors j'ai oublié de dire, en moyenne, oui, c'est même pas une moyenne, les cartes ordinaires étaient à 10 centimes. Donc je vous dis, les cartes ordinaires 10 centimes, les rivers 50, et celle-là, bon, je l'ai eu pour un peu plus cher, mais vous comprendrez pourquoi. C'est pas... voilà. J'ai peut-être fait un craquage, peut-être que j'aurais pas dû, j'en sais rien. Allez, dedans, il va y avoir quand même aussi une reverse. Et le vendeur me l'a fait, ne me l'a pas fait à 50 centimes. Je vous le dirai au moment où elle apparaîtra. Alors, qu'est-ce que j'ai eu en plus? Un clic! Hop, le clic qui arrive dans ma collection. C'est cool. Un mini Draco. Que c'était mignon, les mini Draco. C'est vrai qu'il est plutôt mignon, celui-là. Plutôt chouette. Je continue avec un Cryptero. Ah, ma collection, elle, Tempête Argentée, va faire un bond. Un Lanturne. Est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il me manquera, ça sera les Rivers et les cartes rares. Ah, ça va être un peu plus chaud pour celle-là. Un Mascaïman. Je crois que j'ai eu l'escrocro. J'avais pas su... voilà, celui-là, je ne l'avais pas. Ah, attendez. L'aurais-je pris en double? Mince. Ah, mince. Je me suis fait U. J'ai pas fait gaffe. Je l'ai pris deux fois. Ah non. Ah non. Bon, bah, faudra que je fasse un peu plus gaffe la prochaine fois. Bon, c'est pas grave. 10 centimes, c'est pas ça qui va me tuer. Hein. Un Psystigri. Et puis c'était la première fois que je faisais une brocante pour chercher des Pokémon. Je vous expliquerai, c'était un petit peu étrange. Enfin, j'ai trouvé ça un peu étrange. Un petit peu chaud quand même. Un Limonde. Alors, chaud pas dans le style, c'était complètement... Non, c'était plutôt chaud dans la façon que étaient présentées les cartes. C'était pas toujours évident. Un Mystigri. Qui est l'évolution de Psytigri. Un très passable. C'est vraiment très passable. Un peu mieux faire. Ça doit être son cousin. Peut mieux faire. Arôme captivant. Là, voilà la reverse. Mystigri en reverse. Là, le vendeur me l'a faite à 20 centimes. J'ai pas cherché à comprendre. Je dis oui, pas de souci, je la prends. Bon, faut jamais dire non quand on fait une proposition de ce type. Mais mini Draco, mais c'est pas possible. J'ai bu ou quoi? J'ai pris des doubles. Oh là là, mais il faut que je fasse gaffe. Bon. Voilà. Au moins, ça vous montre une chose, c'est que je n'ai pas vérifié avant de faire la vidéo. Un Lockpin. Ça, c'est de ma faute. C'est en fait, j'ai été voir un vendeur, j'ai pris des cartes. J'ai été voir un autre vendeur et j'avais pas coché les cartes que j'avais eues. Donc forcément, j'ai complètement oublié que je les avais prises chez un autre. Ah, comme le clic. Oui, c'est bien ça. J'ai pris deux fois les cartes. Bon, ça m'apprendra. Hein. Je ferai gaffe la prochaine fois. Énergie cadeau. C'est la première fois que je fais une brocante avec les Pokémon. Donc, faut pas y arriver à chaque fois. Hein. Un Kelurior. Gelé de secours. À la pomme. Ou au CBD. C'est au CBD, je suis sûr. Enfin, un Brasillon. Ben, c'est bête pour les doubles. Mais maintenant que je ferai beaucoup plus attention. Allez, 30 centimes. C'est pas encore la mer à boire.
c'est 30 centimes que j'ai mis en plus. Bon. Puis au moins, ça prouve que je triche pas avec vous, je n'avais pas fait attention. Je les avais, voilà, j'aurais dû faire attention, plus d'attention que ça. Et enfin, je me suis pris une carte un peu plus rare. Alors, celle-là, le vendeur me l'a faite à 3,50€. Et il s'agit de... d'une garde-voire. Je l'avais trouvée trop belle. Elle était trop belle. Il l'a mis dans une protection. Mais regardez, voilà, elle brille. C'est pas une copie, enfin j'espère. Petite carte garde-voire que je mettrai dans une autre protection plus chouette et je mettrai dans mes classeurs. Je ferai ça plus tard. Allez, on va passer à la conclusion. C'est parti. Comme vous avez pu le constater, je ne triche pas avec vous. J'avais pas fait gaffe que j'avais pris des cartes en double. Bon, 10 centimes la carte. J'ai perdu 30 centimes. 30 centimes. C'est même pas le prix d'un café à mon boulot. Non. Donc vous voyez, bon, c'est pas encore trop grave. Mais la prochaine fois, ça m'apprendra. Je ferai beaucoup plus attention. Surtout que c'était ma première brocante où je cherchais des cartes Pokémon. Avant, bon, bah, je passais, je regardais, je fais oui, bon, c'est des Pokémon, il y en a, ils font la collection, mais ils sont pas bien, ils ont pas autre chose à faire. Maintenant, je me suis mis dedans, bah, je les comprends. Moi, j'ai passé un moment incroyable à chercher les cartes, à discuter, j'ai appris pas mal de choses, parce que certains, alors, là où j'ai eu un petit peu de mal, c'est que les vendeurs en eux-mêmes, alors je vais mettre voilà, la carte comme ça, les vendeurs, beaucoup de vendeurs, c'est des personnes qui... des amateurs, où en fait, ils font des collections, mais ils ne rangent pas les cartes par collection. Je suis arrivé avec mes petits bouquins, puis je leur ai demandé, excusez-moi, est-ce que vous faites la collection Tempête Argentée, voilà, ou Origine Perdue. Ah oui, oui, on l'a fait. Oui, oui. C'est dans le tas. On les a pas triés. On les a mis dans des classeurs, dans des pochettes. Voilà, de ce style-là. Mais on les a pas triés. Donc, il faut chercher. Et on connaît pas les Pokémon exactement de la collection. Chercher. Ou alors, c'était dans des paquets. Des gros paquets avec plein de cartes. Et pareil. Chercher. Allez-y, cherchez, mais je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'on fait pas. Alors, Tempête Argentée, Origine Perdue et Zénith Suprême, c'est pas encore des collections. Enfin, je n'ai pas encore trouvé énormément de cartes pour ces collections-là. Je sens que c'est des amateurs, c'est des enfants et tout ça. Je leur demandais, est-ce que tu as des collections de machin? Je connais pas. C'est quoi? Tu as quoi comme collection? Je sais pas. Y a quoi? Tout simplement parce que ils font des échanges, c'est les enfants, voilà, les enfants à la cour d'école, ils font des échanges, des machins, donc ils font pas attention. Ils sont pas comme moi, ils sont pas comme vous. Vous êtes des collectionneurs et vous cherchez la collection. Non, ils font ah, elle est belle la carte, ils la prennent et puis ça et tout, basta. Donc c'est là que c'était un petit peu dur. Parce que j'ai cherché, puis on ne peut pas rester des heures et des heures à essayer de trouver, à chercher, à me dire, cette carte-là, elle est dans quelle collection? Elle est à droite, elle est à gauche? Heureusement, là où j'ai pu avoir le maximum de cartes, la personne m'a appris quelque chose. J'aurais pas fait tilt. Elle m'a demandé... pas de souci, mais vous pouvez me dire par exemple Tempête Argentée, c'est quoi le logo? Le logo? Hein? Il me parle de logo? Pourquoi il me parle de logo? Et il m'a montré, bah oui, sur les cartes Pokémon, il y a un petit logo en bas. Un petit rond. Ah oui, c'est vrai. Il y a un petit rond. Puis là, il me dit, bon, bah celui-là, c'est cerf. C'est une sorte de cerf. Regardez dans vos bouquins. Parce que déjà, ils étaient étonnés. Il fait, ah, oh, vous avez un bouquin. Ah, oh, trop bien. Waouh, l'habitude, les gens, ils viennent avec une feuille et tout. Ils ont le nom de la carte et puis basta. S'ils l'ont, ils l'ont pas. Mais vous, vous avez le bouquin.
avec l'image des cartes. Et puis, si vous l'avez ou vous l'avez pas eu, c'est super votre truc. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, bah, c'est quoi ça? C'est quoi ces cahiers? C'est quoi ces carnets? Moi, j'en veux aussi. Bah, ils sont dans les coffrets dresseurs. J'ai fait, bah, j'achète les coffrets dresseurs. J'essaye de les avoir au début de collection, comme ça, j'ai le bouquin. Et puis, ah, oh, mais c'est super pratique, ce truc-là et tout. Et c'est là que j'ai, en fait, regardé, pareil, sur le petit. Bon, là, on voit pas très bien, mais ici aussi, on voit le petit logo. Et le petit logo, je dis, bah, c'est une sorte de serre. Ah bah c'est cette collection là alors. Ah bah alors c'était vachement plus facile à chercher. J'ai pris les tas de cartes, j'ai regardé les cartes avec le même logo qui correspondait à la collection. Puis je disais oui, non, je l'ai pas, oui, non, oui, je l'ai pas. Bon, je me suis fait avoir puisque j'ai pris trois cartes d'un autre vendeur juste avant. Et je les ai reprises chez le second. Parce que j'ai regardé dans mon carnet et je les avais pas cochées, donc forcément, j'avais oublié. J'avais fait pas. J'étais en plein dans ma recherche et tout, j'ai complètement oublié que je les avais récupérés. Mais c'est vrai que. Pas évident. Mais je remercie énormément ce vendeur pour m'avoir expliqué l'histoire du petit logo. Bah alors là, ça va me simplifier la vie. Et la prochaine fois, je ferai très attention de ne pas prendre des doubles. Allez, je vais m'arrêter là, parce qu'elle est quand même beaucoup plus longue que prévu. J'explique, je raconte ma vie, oh, je vous explique des trucs que je découvre, et puis vous, de votre côté, je fais, bah, ça fait des années qu'on sait ça, nous. Oh là là, il sait pas ça, boah, le nul. Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé la collection des Pokémon. J'ai commencé avec Origine Perdue. Et avec mon emploi du temps et tout ça, j'ai pas beaucoup de temps hein, à apprendre toutes ces choses-là. Mais j'apprends au fur et à mesure. Maintenant, je sais ça. Je ferai beaucoup plus attention la prochaine fois. Puis, dernière petite chose, concernant Écarlate et Violet, bah, je ne cherche pas, parce que je préfère pour l'instant faire les boosters, les ouvrir, et essayer de les avoir par moi-même en faisant des unboxings et en vous les présentant. Par contre, Tempête Argentée, vu le nombre de cartes que j'ai pu me récupérer, Origine Perdue, ben, je vais commencer tout doucement à arrêter d'ouvrir les boosters. Je vais vraiment me focaliser sur les brocantes et vide-grenier. Je vais continuer quand même Zénith Suprême et Écarlate et Violet. Mais Origine Perdue et Tempête Argentée, je vais arrêter d'ouvrir des boosters. Ou alors un de temps en temps. Et je vais vraiment me focaliser sur les brocantes et vide-grenier. Parce que je pense que je vais trouver mes pépites. Je vais trouver de quoi les remplir. Allez, je m'arrête là. C'était un peu plus long que d'habitude. Et puis ça change, hein, voilà, c'est pas un unboxing. C'est les trouvailles que j'ai pu faire dans les brocantes. Et maintenant, les brocantes, je vais en faire toutes les semaines. Donc si j'arrive encore à avoir des cartes Pokémon, eh ben, je vous ferai ce type de vidéo. Qui d'ailleurs, j'espère, vous a plu. Si c'est le cas, si ça vous a plu, bah, dites-le moi avec un pouce bleu. Laissez-moi un message en commentaire pour me dire que je suis un idiot, que j'aurais dû faire attention. N'hésitez pas, tant que ça reste correct et poli, c'est pas un souci. Vous avez découvert ma chaîne et vous voulez voir la suite de ma collection sur les Pokémon ou sur mes Let's Play. Eh bien, c'est tout simple. Abonnez-vous et il y a la cloche de notification pour être sûr de ne rien louper. Allez, moi, je vous dis à très vite. À bientôt pour la suite de mes vidéos, de mes découvertes et de mes let's play et de mes jeux. Allez, salut, salut tout le monde et encore merci d'être venu. Salut. Ma petite vidéo vous a plu? Alors n'attendez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez voir, il y en aura beaucoup des comme ça. Allez, allez, vas-y, n'aie pas peur, clique.